Salut à tous, on revient sur Doom Eternal. Ça sent la fin du jeu hein, quand même, ça sent la fin de l'histoire. Et du coup, je vous propose de continuer. De toute façon, vous êtes devant la vidéo, c'est que vous allez regarder. Allez, donc, Urdak. Ouh, vu la taille, je pense que ça fera 2-3 épisodes. Allez. En tout cas, là, il n'y a rien à récupérer. Ah si. Et c'est à peu près à même hauteur. C'est ça, faut avancer. C'est magnifique, n'est-ce pas? Faites vite, la canne Maker n'est plus loin. Nous devons l'arrêter avant qu'elle n'achève le rituel et qu'elle prenne le contrôle total de l'icône du péché. Alors, Urdak. Wow, il y a du monde là, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Donc, monde d'origine des Makers, une brève analyse de la structure et de l'architecture. Le cas indique que ce monde est antérieur à tous les autres mondes de notre base de données. Similitude avec de multiples religions pangalactiques, ce qui indiquerait que l'influence de la Maker ne s'est pas limitée à Argent Nur. Donc, dans la galaxie, certaines images apparentes des icônes religieuses. Dans le bras d'Orion, signe. Le nom d'Urdak relève du langage vernaculaire. Nanana, malgré un caractère quasi divin, les Makers ont un passé, leur histoire a des millions d'années. Ok, tac, 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 tac. Il n'existe aucune trace écrite de la manière dont le père s'est présenté aux Makers, ni même de sa découverte ou d'une éventuelle forme physique avant les Makers. Un séraphin aurait volé l'essence du père. Ok. Les archives indiquent que le luminarium a simplement cessé toute communication. Urdak a le point d'ancrage. Ok. Donc. N'y avait pas d'autre. Ouais, ok, c'est linéaire. Facile. Tout facile. En tout cas, le monde est vraiment sympa. Ok. Faire le tour, on va bien trouver un moment. Rien aux alentours, ouais, ok. Pareil, rien ici. Ah ouais, vraiment rien d'autre aux alentours. Là, ok.
C'est vrai que j'ai ces pièces-là dans l'arsenal. Alors. Tac. Donc. Ah oui, là j'ai pris. Ben non. Ah oui, on a le choix que d'un. D'accord. Acheter les deux. Acheter toutes les améliorations, d'accord, ouais. Et bah normalement. Donc là, là. Ah oui. D'accord, il faut tout. Eh ben, y a pas de souci, on prend tout. Tac. Peut-être pas pouvoir tout prendre. Et là, je peux pas. Le tout, c'est de compléter. Ensuite, on a la map. Au moins pour dire qu'on l'a trouvé. Le monde est super beau. Un peu rouge. Ça doit être un Canadien qui a fait le design. Petite couleur d'automne. Bienvenue, Séraphin. Le Drone Maker est témoin de type piétaille, attaque à distance. Bien que la majorité de son corps soit blindé, sa tête est, son point est un point faible. Le toucher inflige des dégâts supplémentaires et un tir mortel permet d'obtenir des munitions ainsi que de la santé. Consultez le codex pour en savoir plus sur les points faibles d'un démon.
Tac. Ok, tac, ça c'est fait. Ok, rien à récupérer dans la zone. Vache. Je tire vraiment à côté. Allez, c'est parti. Ok, non. Ah la vache. Ouais. Là. Ok. Alors. L'icône du péché. Comme il est écrit dans les prophéties d'anciennes écritures des sentinelles, les titans, des démons anciens et gigantesques de l'âge infernal reviendront arrachés à leur sommeil éternel. Ils seraient les annonciateurs de la fin des temps, des forces primordiales du chaos et de destruction, nés de l'esprit torturé du fils du traître. C'est par la volonté impie de l'enfer que l'icône du péché prit cher. Ce titan redoutable, forgé par l'essence même de la souffrance démentale, abritait autrefois une âme humaine, une âme désormais enfouie profondément dans le cœur toujours battant de son ancienne personnalité. Le traître, cherchant à libérer son fils du tourment éternel dans les profondeurs de l'enfer, conclut un pacte avec les ténèbres du destin pour offrir à son fils une chance de revenir d'entre les mœurs. Ces pactes furent respectés et le fils vécut à nouveau, mais pas en tant qu'humain. L'enfer le ressuscita pour qu'il devienne l'icône. Moi, tout ce que je veux, c'est un méca. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est jouer avec un gros méca.
C'est l'unique raison de vivre de ce jeu, à mon sens. Il y avait une vie un peu plus haut. Eh. Et là, ça va chier des bulles. C'est quoi les défis? Tuer 5 drone makers d'un tir à la tête. Ah ouais, du coup, il y en a que j'ai loupé. 12 démons pendant que vous êtes dans les airs. Ok. Et un jouet à collectionner. Mais j'en ai eu un. Non? D'accord. Putain, c'est violent. Ok. T'es où? Et voilà. Ok, donc en fait, faut grimper. J'ai un gros doute. Cela, on est là. On va tenter. Perso, je pense pas. Encore une zone de guerre. Tac. Donc
la grosse zone. Foiré. Alors, est-ce que c'est un bâton? C'est un bâton. Allez, il en reste plus qu'un à avoir en l'air. C'est quoi l'autre? Un jouet à collectionner. Oh bah ça, a priori, rien. Bon. Oh putain. Tac. Est-ce qu'il y a encore du bruit? Donc on avait un objet là-haut. On va essayer de voir un peu ce que c'est. Je le vois. Alors, la canne maker. Tous les 10 000 ans, la conscience collective des makers, appelée singularité, enfant de canne maker. Un être suprême destiné à gouverner Hordak jusqu'à la naissance de son successeur. La singularité qui contient les données d'âme de chaque maker, ayant jamais vécu, traite et affine ces données dans un but d'évolution sélective. En tant que hiérarque d'une matrice neuronale consciente à laquelle est liée chaque maker, la canne jouit de l'impossibilité physique pour tout maker de refuser l'ordre collectif de conscience partagée et ainsi de lui désobéir. Ce système fonctionne sans erreur depuis la création d'Hordak. Suite à la disparition du père, les makers se sont vus dans l'incapacité de créer un successeur à la lignée des cannes, permettant ainsi à la canne maker existante de conserver indéfiniment son trône. Donc, juste petit point de situation, ouais, il y a encore un peu de temps avant de sortir de la zone. On va faire, bah ouais, du coup, je vais faire une pause là, je pense que ça fera encore deux autres épisodes. Je vous dis rendez-vous au prochain... Ah, oh là là, oh 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 là. Je peux pas partir sans avoir obtenu le dernier objet. Qui est... plus bas.
Plus bas, oui mais non, pas là. Putain, c'est où? Oh, c'était bien avant. C'était bien avant, on va essayer de récupérer ça. Oh, j'ai failli louper ça! Et voilà. Donc, avant d'entamer la suite, eh ben, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. A plus!